Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les deux semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Les épisodes AstronoGeek sortent un vendredi sur deux à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne donc rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui n'est qu'un vlog qui sert à nourrir l'algorithme de YouTube. Je sais, je me répète par rapport à l'intro. Mais manifestement, c'est pas de trop. Je pensais que mes messages d'intro des vidéos étaient clairs, hein, mais il s'avère que j'ai encore énormément de gens qui me laissent des messages du genre « Ah, enfin un vrai épisode, il y en avait marre des vlogs » ou « Sous chaque vlog, me laisse un truc du genre « Ah, tes vidéos, c'était mieux avant, maintenant tu racontes que de la merde, tu racontes ta vie, etc. » Mais je sais pas comment être plus clair que je ne le suis déjà. Donc les gens, s'il vous plaît, faites attention à ce que je dis dans les vidéos. Le message de début, je sais qu'il est un peu répétitif à force, mais il n'est pas là pour rien, quoi. Bon, je ne vais pas plus m'attarder sur le sujet parce que je me doute bien que de toute façon, des gros lourds qui comprennent rien à rien, il y en aura toujours. Et puis bon, ça reste une minorité, donc il ne faut pas non plus que je m'énerve pour ça. Mais bon, bref, vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui, la vidéo n'est pas tournée exactement dans les conditions habituelles. Il se trouve que là, je suis chez des amis et je suis en plein préparatif du tournage de l'épisode spécial 200 000 abonnés. Sur lequel je ne vais pas dire plus pour pas vous spoiler. Mais sachez que bah, là, je suis en préparation du tournage. Voilà. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas mal revenir sur l'épisode de la semaine dernière, donc sur les astéroïdes, etc. Alors, comme l'épisode précédent, il a été très bien accueilli. Je vais dire, dans les commentaires, j'avais des gens qui me disaient « C'est ton best épisode ever, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, etc. » Personnellement, je suis pas sûr. En tout cas, je constate quand même une chose, c'est que là, j'avais pas de titre spécialement putaclic, et l'épisode a fait... il avait des stats légèrement inférieures à celles des épisodes précédents. Pour vous dire, cette semaine, j'étais pas en tendance YouTube, alors que sur les 4-5 derniers épisodes, j'y étais systématiquement. Donc, c'est quand même le signe que les titres putaclic, qu'on aime ou pas, ben, ça fonctionne. Donc, évidemment, à l'avenir, il faudra que vous vous attendiez toujours à des titres un peu putassiers, mais... des épisodes qui tiennent leurs promesses. Ça, c'est quand même c'est l'engagement AstronoGeek, charte de qualité, tout ça. Non, il faut quand même que je continue à dire des trucs intéressants dans les vidéos, mais clairement, il faut que je fasse du titre putaclic. C'est comme ça, j'y échapperai pas. Bon, ok, sinon, le truc qui revenait énormément dans les commentaires, c'est une grosse coquille que j'ai mis dans l'épisode, c'est en 1816, Napoléon, il n'est pas à l'île d'Elbe, et c'est une honte pour un ancien historien, il est déjà à Sainte-Hélène. Il est déjà en exil à Sainte-Hélène. Et c'est bien qu'il y ait des tas de gens qui l'aient remarqué, parce que ça montre qu'effectivement, vous faites attention à ce que je dis. Et il y a un autre truc qui a été beaucoup remarqué, c'est quand je dis que 95% de la biomasse, c'est l'homme, ses animaux d'élevage et ses cultures. Et là, j'ai été... Alors, beaucoup de gens m'ont fait simplement la remarque. Certains ont été limite agressifs de dire « tu racontes de la merde, vérifie tes sources, etc. » en me disant que 80% de la biomasse sur Terre, c'est les lombriques. Que les lombriques, les vers de terre, représenteraient 80% de la masse des êtres vivants sur Terre. Et il se trouve que... Alors du coup, il y a des tas de gens qui m'ont dit « ouais, faudrait quand même te mettre à citer tes sources et tout. » Donc je l'ai dit dans le dernier vlog, ça arrive pas dans l'épisode qui vient, mais dans l'épisode d'après. Quoi qu'il en soit, ces sources, je peux quand même vous les citer, hein, les 95% de la biomasse, c'est Yann Arthus Bertrand, qui me l'a dit personnellement en plus. Hein, voilà. Donc je suis quand même allé vérifier, hein, je me suis dit, bon, tout le monde qui me dit que les lombriques, c'est 80% de la biomasse, etc., etc. Et puis, surtout les gens cités comme source Wikipédia. Donc c'est vrai, Wikipédia, c'est un bon début, mais le fait est que, même sur Wikipédia, il n'y a pas ça qui est écrit. Les lombriques ne représentent pas 80% de la biomasse. C'est une information qui a été déformée, comme trop souvent. Et je vais vous donner l'information originale. Donc, une seconde, je cherche. Élément de géographie physique, édition Bréal, année 2008, page 349. Les lombriques sont le groupe animal dont la biomasse est la plus importante, 80% de la biomasse animale des sols. En gros, ça veut dire qu'ils représentent la plus grande quantité des animaux vivants dans le sol, mais pas la plus grande quantité des animaux tout court. D'ailleurs, cette source nous dit qu'il y a entre 1 et 3 tonnes de lombriques par kilomètre carré. Non, je dis une connerie. Oui, par hectare, pardon. C'est pas tout à fait pareil. Mais maintenant, posez-vous la question. Combien on met de tonnes de vaches dans un champ d'un hectare? Combien on met de tonnes d'arbres dans une forêt d'un hectare?
bien plus que 3 tonnes. Donc déjà, ça indique que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et puis n'oublions pas non plus qu'on nous dit que les lombrics sont partout sur Terre, oui, mais pas dans les déserts, pas dans le permafrost, pas sous la mer, etc. etc. Donc, vous voyez, j'ai trouvé plein de sources contradictoires pour cette info, en voilà encore une. Et j'ai aussi trouvé des trucs disant que la plus grande biomasse, c'était les bactéries, d'autres qui disaient que c'est le krill, d'autres qui disent que c'est les fourmis. Enfin, je ne suis pas sûr de détenir la vérité absolue, mais je voudrais juste dire une chose à ceux qui affirment avec véhémence quelque chose dans les commentaires, même si dans les derniers épisodes, je ne citais pas mes sources, ça ne veut pas dire que j'en ai pas et que cette info, je ne la tire pas juste d'un chapeau magique en disant « Ah tiens, on va dire que allez, les lombrics, c'est 95%, non, l'homme, c'est 95% parce que pourquoi pas, ça sert mon propos. » Quand bien même l'homme aurait représenté 50% de la biomasse avec ses animaux d'élevage, le propos restait toujours valable. Donc, si je dis ça, c'est juste à ceux qui ont tendance à attaquer avec un peu d'agressivité dans les commentaires, vérifiez peut-être aussi vos sources à vous. Et dans le genre, j'ai eu pas mal d'autres commentaires aussi. Je vais revenir dessus. Donc, par exemple, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais t'as pas tenu compte d'un truc en disant que l'astéroïde, il va tomber, etc. » C'est s'il tombe sur des centrales nucléaires, ça va faire une catastrophe nucléaire parce qu'elles vont toutes exploser. Alors, déjà, non. Une centrale nucléaire, enfin, de l'uranium, c'est pas de la nitroglycérine, tu la secoues et ça explose. Hein. D'ailleurs, la nitroglycérine, tu la secoues, elle explose pas non plus. Ça, c'est dans les films. Puis, essayez aussi de pas oublier un truc, c'est que... On cite toujours Fukushima, Tchernobyl comme pollution majeure nucléaire, etc. Mais n'oubliez pas que 60% de la pollution radioactive que vous rencontrez au quotidien, 60%, rien que celle-ci, est due au test atmosphérique de la Tsar Bomba, dont j'ai parlé justement dans le dernier épisode. Hein, c'est quand même un nuage qui est monté dans la stratosphère, qui a fait plusieurs fois le tour du globe, etc. 60% de la pollution que vous vivez au quotidien vient de là. Et l'écrasante majorité de la pollution que vous vivez vient des essais nucléaires atmosphériques. Donc c'est vous dire si deux catastrophes nucléaires majeures, plus celle éventuellement que j'oublie, ça cause pas la fin du monde, ça cause des cancers de la thyroïde. Oui, d'accord. Mais encore une fois, l'épisode que j'ai fait la semaine dernière ne servait pas à dire qu'un astéroïde qui tombe sur Terre, c'est peanuts et il ne se passe rien. C'était juste pour relativiser ce qu'on nous raconte parfois, la fin du monde, le désert glacé pendant 100 ans, 10 cm de cendres partout sur Terre. Ah oui, un petit calcul viteuf. Vous prenez la masse de cendres, enfin de débris, de poussière, etc., rejetés dans l'atmosphère par ce fameux impact, en n'oubliant pas que près de la moitié retombe illico dans le cratère, vous divisez ce nombre de kilomètres cubes par la surface de la Terre, qui se compte en millions de kilomètres, j'ai plus le calcul de tête, mais je l'avais fait, vous trouvez, selon les chiffres que vous prenez, hein, de toute façon, moins de 5 mm de cendres répartis partout sur le globe. Donc déjà, si vous comptez les zones où il n'y en a pas, parce qu'il y a des chances quand même que ça se répartisse surtout au niveau de l'équateur, enfin je veux dire à cause des vents, de la rotation de la Terre, etc. Si vous comptez que 5 mm de cendres, alors c'est dégueulasse, hein, ça vous pourrit les plantes, la flotte, tout ça, mais un bon coup de flotte et c'est parti. Je parle en connaissance de cause, je suis à un endroit ici qui a déjà été recouvert par la cendre, et j'en dis déjà beaucoup trop là, un bon coup de flotte et c'est réglé. Enfin bon, bref. Il y a des gens manifestement qui psychotent sur les réacteurs nucléaires en disant si un astéroïde tombe sur un réacteur nucléaire, c'est bon, c'est la fin du monde parce qu'il explose, etc. Des explosions nucléaires, il y en a eu bien plus que vous ne semblez en avoir en tête là tout de suite. Pensez à tous les tests nucléaires atmosphériques et sous-marins et même souterrains, etc., qui ont eu lieu sur Terre. Ça se compte en centaines d'explosions nucléaires. Et je trouve que ça va, en fait. Hein. L'apocalypse nucléaire, moi, perso, j'y crois moyen. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont parlé du fait que je n'ai pas évoqué le risque de tsunami dans ma vidéo. Alors déjà, j'aime pas ce terme tsunami. Je préfère dire raz-de-marée, qui est le terme français de tsunami, qui est un terme japonais. Et donc, en termes de raz-de-marée, effectivement, si l'impact se produit dans l'océan, il y a un raz-de-marée. Mais moi, j'ai pris comme exemple l'impact de Tchitchalub qui a eu lieu sur Terre. Dans la vidéo, je l'ai dit, si cet impact se reproduisait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Évidemment, on peut transposer cet impact partout sur Terre, c'est ce que j'ai dit, ça se passe en Chine, les milliards de morts, ça se compte autrement que si ça tombe au Mexique. C'était juste un exemple, et je n'ai pas pris en compte
la possibilité de tsunami s'il tombait dans l'océan. Et c'est sûr, il y a des tas de gens qui m'ont fait remarquer que 70% de la Terre est couverte par un océan, mais ça n'a pas empêché celui de Chicxulub de tomber sur Terre. Bref, si ça tombait dans l'océan, oui, il y aurait un tsunami. Mais il ne faut pas oublier qu'un tsunami, c'est une onde. Ce n'est pas une grosse masse d'eau qui se déplace. Enfin, forcément, un peu quand même. Bon. Mais ça reste une vague. Et la vague, quand elle s'étale, elle diminue de hauteur, d'intensité, de tout ce que vous voulez, par le carré de pi, ou un truc comme ça. Je ne sais plus, les matheux le mettront en commentaire de toute façon. Quoi qu'il en soit, plus vous vous éloignez de la zone d'impact, plus l'effet du tsunami est faible. Et forcément, ça ferait des vagues un peu méchantes un peu partout sur Terre, mais ça vous dévasterait 20, 50 km de littoral. Allez, soyons fous, 100 km. C'est beaucoup, c'est très moche. Encore une fois, on est d'accord, c'est une catastrophe d'ampleur mondiale. Mais on parle, encore une fois, pas de fin du monde. C'est pas comme dans le film Deep Impact avec des vagues qui font des dizaines de kilomètres de haut et qui font plusieurs fois le tour de la Terre. Non, ça, c'est encore une fois, c'est Hollywood. D'ailleurs, en parlant de ça, que ce soit les centrales nucléaires, les tsunamis, la biomasse, etc., j'ai remarqué une tendance dans les commentaires que j'avais déjà remarqué lors de l'épisode sur les trous noirs. J'ai l'impression qu'il y a des gens... Comment je peux dire ça ? J'ai l'impression qu'ils ont peur... qu'on leur prenne leur fin du monde. C'est-à-dire qu'ils ont un fantasme sur les trous noirs, qu'on peut aller dedans et voyager dans le temps, etc. Un fantasme sur les impacts d'astéroïdes qui rapetiboiseraient la Terre, etc. Et quand on leur montre qu'en fait, non, ils essayent de vous donner tous les arguments possibles et inimaginables pour se raccrocher à cette idée que non, non, l'astéroïde égale fin du monde, trou noir égale voyage dans le temps, etc. Et là, je voudrais juste dire, les gens... Essayez de pas trop rester coincé dans les films hollywoodiens. C'est des scénarios qui peuvent être charmants dans le sens, c'est un côté romantique quoi. Mais c'est pas forcément la réalité. Et si on vous donne une vidéo en vous expliquant que la réalité est peut-être autre et qu'il faut relativiser les choses, à la limite, faites vos recherches, mais ne vous braquez pas en disant non, moi depuis que je suis tout petit, je sais que machin parce qu'on me l'a dit à la télé. Ça c'est une tendance que j'ai sentie dans les commentaires et que j'ai trouvée assez perturbante, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à refuser purement et simplement les arguments qu'on leur donne parce que ça va contre les fantasmes hollywoodiens, littéralement, c'est vraiment bizarre, bref, c'est une tendance que j'ai remarquée, je suis un peu incapable d'en faire une analyse plus profonde de ce que je viens de faire, mais j'ai remarqué ça. Ah oui, j'ai encore eu un truc qui est apparu plusieurs fois dans les commentaires, c'est des gens qui me demandaient quel était l'impact d'un impact d'astéroïde sur la rotation, la trajectoire de la Terre sur son orbite ou la durée des jours. Et en fait, un impact d'un astéroïde de 14 km, c'est négligeable. Alors déjà, l'orbite, ça ne la change pas parce que peu importe la masse d'un objet... son orbite reste la même, c'est pour ça que tous les satellites sur une même orbite, quelle que soit leur masse, tournent à la même vitesse. Et il y a des tas de gens qui m'ont dit « Oui, mais la Terre, elle gagne en masse, donc elle va plus vite, plus près du Soleil, plus loin, quoi. » Non, l'orbite de la Terre ne dépend pas de sa masse. Elle serait 10 fois plus massive, elle aurait la même orbite. Et ensuite, pour ceux qui demandaient « Est-ce que ça impacterait la durée des jours, par exemple, selon l'angle sous lequel l'astéroïde frappe la Terre, est-ce que ça les rallongerait, les raccourcirait ?» Pas un astéroïde de cette taille-là. Enfin, si... mais ça rallongerait ou raccourcirait les jours au mieux de 5 millisecondes par jour. Autant dire que vous ne sentirez pas la différence. Pareil pour l'inclinaison de la Terre, tout ça, ça n'y touchera pas. Pas un impact de cette taille-là. Pour vous dire, la Terre qui est inclinée sur son axe, la raison des saisons quand même, cette inclinaison sur son axe, on estime que c'est Theia, donc la protoplanète qui, lors de son impact avec la Terre, a donné naissance à la Lune, et qui faisait probablement la taille de Mars. Il a fallu cet impact-là pour faire bouger la Terre sur son axe. Donc, ce n'est pas un impact de 14 km qui va y faire quelque chose. Quoi. Voilà, donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pas l'épisode spécial 200 000 qui sortira dans 3 semaines. L'épisode de la semaine prochaine est un épisode normal et c'est le dernier qui ne sera pas sourcé parce que j'ai la flemme de tout rechercher. Mais maintenant, quand j'écris les épisodes, je garde mes sources avec moi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et à dans 3 semaines, normalement, pour l'épisode spécial 300 000 abonnés. À la revoyure !